Vous cherchez peut-être la demeure de vos rêves et comment faire pour que cette quête ne vire au cauchemar? Je vous le propose dans cette vidéo en 5 étapes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Je m'investis. En vous abonnant à cette chaîne, vous bénéficierez de conseils et d'astuces pratiques qui vont vous protéger contre les arnaques immobilières. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, je m'appelle Samir Momansani, je suis entrepreneur et je suis très content de partager mon expérience à toute la communauté Je m'investis. Je le disais tantôt, comment effectuer une transaction immobilière en toute sécurité? Première étape, nous avons la recherche de l'information. De nos jours, nous avons Internet parmi nous, alors donc vous allez taper tout simplement dans le moteur de recherche de Google « Comment acheter un terrain au Niger si vous êtes au Niger par exemple ?» Ensuite, vous aurez une ligne directrice qui va vous diriger vers votre objectif. Et deuxième point, nous avons les courtiers et les agences immobilières. Eux, ils ont des très bons tuyaux, ils sont au courant de qui veut vendre et de qui veut acheter. Donc, il est important de vous rapprocher de ces agences et de ces courtiers immobiliers. Le troisième point, nous avons les banques et les notaires. C'est là-bas que moi-même, je préfère faire mes transactions immobilières. À la banque, c'est des maisons ou des terrains hypothéqués. C'est-à-dire qu'un client de la banque avait besoin d'un crédit hypothécaire qui n'est rien d'autre qu'un prêt garanti par un gage immobilier. Et peut-être que le client va se retrouver en position d'insolvabilité. Alors, ce qui revient à dire qu'il est dans l'incapacité de faire face au paiement de son crédit. La banque va se saisir de ce bien et va essayer de retirer le capital investi sur ce bien. Alors, on ne le souhaite à personne, mais là au moins on est sûr de n'avoir aucun problème avec l'acte authentique de vente. L'acte authentique de vente n'est rien d'autre que le contrat signé par le notaire scellant une vente immobilière rendant définitivement et irrévocablement propriétaire du bien celui qui achète. En deuxième étape, nous allons voir le traitement de l'information. Il est très important de savoir à qui appartient le bien que vous voulez acheter, si le propriétaire est vivant ou s'il est décédé. Il est important de savoir est-ce que le propriétaire il est marié sous la communauté de biens. Si oui, alors ce bien fait partie du patrimoine familial. Il faudra donc l'accord du conjoint ou de la conjointe pour que ce bien quitte le patrimoine familial. En principe, c'est au notaire de faire toutes ces investigations, mais de nos jours, les gens sont capables de tout. Le notaire fait les transactions sur la base des documents administratifs qui lui sont présentés. Sur l'acte de vente, il est dit que le notaire n'est pas témoin de vous deux. Vous deux, vous êtes entendus en ville et vous êtes venu chez le notaire pour qu'il valide vos accords. De quel type de papier dispose le soi-disant vendeur? Si c'est en délibération, qui est juste une autorisation d'occupation. Si c'est en bail, qui là te donne le droit frictus. Par exemple, si je laisse mon terrain à un de mes cousins Kanouri là-bas à côté du lac Tchad pour qu'il cultive, il va bénéficier de sa récolte en toute légitimité. Et le troisième point, c'est le nous avons les titres fonciers qui te donnent le droit habitus. C'est le titre foncier qui va te permettre de construire, de revendre, de faire ce que tu veux du bien. Le bien t'appartient. Nous arrivons à la troisième étape qui est la localisation du terrain. Il est très important de savoir les règles d'urbanisme. Quelles sont les contraintes? Si c'est une zone où les constructions sont limitées en hauteur, ou si c'est une zone polluée, par exemple à côté d'une usine. Alors, je vous recommande fortement de faire cette visite du terrain, car c'est la visite du terrain qui va déterminer si ce bien immobilier est bien placé ou pas. Alors, même si vous n'êtes pas sur place, vous pourrez envoyer un de vos proches à qui vous avez confiance pour qu'il vous vérifie si ce bien est vraiment bien placé ou pas. On récapitule. En première étape, nous avons vu la recherche de l'information. En deuxième étape, nous avons vu le traitement de l'information. En troisième étape, nous avons vu la localisation du terrain. Et en quatrième étape, nous allons voir où se renseigner. Il faut noter qu'un lotissement peut être annulé par l'État. Et très souvent, l'information prend du temps avant d'être véhiculée. Vous pourrez tout simplement vous renseigner au niveau du plan local d'urbanisme ou vous pourrez vous déplacer à la mairie. Et enfin, nous avons la cinquième étape. Nous allons passer à l'action. Là, c'est le notaire qui prend les rênes. À ne surtout pas éviter, car c'est le notaire qui fait l'enregistrement, la publicité foncière, les domaines et impôts. Si vous brûlez cette étape, il vous sera impossible d'avoir l'autorisation de construction. Car pour avoir cette autorisation de construction, on va vous demander l'état des droits réels du terrain.
Par conséquent, vous ne pourrez pas construire ou vous allez devoir répondre à la direction de la surveillance de la construction et de l'occupation des sols. Et c'était un réel plaisir, un réel moment de bonheur partagé avec vous, mes chers abonnés. N'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire vos questions ou si vous avez des rajouts à nous faire. Merci de nous les faire en commentaire et de vous abonner pour les prochaines vidéos à venir. Abonnez-vous et installez-vous, des belles choses sont en vue. Allez, à bientôt, ciao !